En coulisses, les jeunes danseuses se préparent pour le spectacle annuel. Ok les filles, ça commence dans 2 minutes. Yes, okay. Yes. Une pléiade de filles au milieu desquelles quelques garçons. Il y a Simon et Romain. Dans la danse classique, ce qui me plaît, c'est les techniques de saut. C'est ce rapport d'expressivité avec les spectateurs. C'est cool, c'est bien. Tout, la musique, la danse, ce qui regroupe la danse classique, quoi. Tout ce qui est autour de la danse classique. Se défouler, éliminer le stress, mieux se tenir, Simon et Pierre connaissent les bienfaits de la danse et gomment tous les préjugés sur les garçons. Romain a commencé jeune, cette année il s'est senti capable de faire plus. On a décidé de faire un pas de deux et j'étais surprise de ses capacités que je ne soupçonnais pas, en tout cas pas tout de suite, et il a développé un saut extraordinaire. Simon a commencé plus tard. Enfant précoce, son esprit pense plus vite que son corps, entraînant des problèmes de motricité. La danse le fait progresser. Cette année, tout particulièrement, j'étais très très heureuse de voir qu'enfin, il pouvait quitter le sol, parce que ce n'était pas gagné pour lui. Et c'est au fruit de nombreux efforts et d'une volonté incroyable. Sur un pas de deux, en duo ou en trio, ou encore dans le rôle de garde du prince, Romain et Simon ont pris plaisir, comme chaque année, sur la scène des Sept Arpents. La fête enchantée sur une musique de Tchaïkovski, un succès à la hauteur du travail pratiqué dans cette école, et mention spéciale pour Romain et Simon.